après-midi, messieurs et dames, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Sport et l'envers du décor. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la phase des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et nous allons nous attarder exclusivement sur une équipe d'ailleurs qui s'est qualifiée de façon historique pour ces phases éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Il s'agit notamment du Tchad. Les Saouds du Tchad ont pu glaner les tickets de qualification pour se hisser dans cette phase éliminatoire. Et d'ailleurs, cette équipe a su très bien aborder cette phase éliminatoire lors de la première journée en faisant un nul vierge face à cette équipe du Seychelles. Et pour nous entretenir et nous parler notamment de l'activité des Saouds, nous allons avoir en notre compagnie l'excellent gardien de cette équipe des Saouds du Tchad, l'ex-portier du Coton Sport de Garoua en première division du Cameroun, le gardien Gadin Alambatna. Bon après-midi, Gadin. Bon après-midi. Comment vous allez? Ben, ça va bien, on se porte bien. On est à la coquille, donc ça, merci, tout va bien. Tout le monde va bien pour le moment. D'accord, vous avez eu un match un peu plus calme hein, du côté face à cette équipe du Seychelles. D'ailleurs, vous avez obtenu votre premier point malgré le score vierge et nul. Actuellement, l'équipe du Tchad se trouve au Cameroun pour aborder la deuxième sortie de votre poule face au champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Quel est le climat actuellement qui règne autour des Sao? Bon, le climat qui est autour de Sao, autour de nous, c'est de jouer vraiment pour cette peuple tchadien. Vraiment, ça fait longtemps que les gens n'ont pas eu à parler au moins du Tchad par rapport au football. Et nous-mêmes, on a décidé vraiment de donner le meilleur de nous parce que c'est pas facile de jouer contre des équipes qui sont bien placées au classement FIFA avec vous. Donc, c'est un peu difficile de jouer contre eux. Mais on apprend tous les jours et on veut aussi progresser, nous. Donc, on fera ce qu'il y a à faire et on fera le meilleur de nous pour jouer. Et ça ne serait pas parce qu'on va jouer contre le Le champion en champion. fuite, oui, le Donc, champion africain titre. ça serait vraiment un match difficile, mais on ferait vraiment notre job et on ferait vraiment ce qu'il faut. Mais on va toujours, sans toutefois oublier qu'on doit respecter aussi l'équipe champion en titre. Naturellement. Avant de nous plonger exclusivement dans l'activité de l'équipe du Tchad pour cette journée, nous allons revenir un tout petit peu parler de votre rencontre face à cette équipe de Sierra Leone qui s'est déroulée le vendredi 6 septembre 2024. Alors, comment est-ce qu'a été l'accueil là-bas? Quels sont les points qui vous ont manqué pour que vous puissiez inscrire le but, l'un des buts de la rencontre qui aurait pu peut-être vous permettre de glaner les 3 points de cette partie? Bon, en fait, le match n'était pas vraiment facile parce que tous les deux équipes voulaient gagner le match et le match était bien engagé. Et d'aller jouer à l'extérieur, vraiment. D'aller jouer à l'extérieur et d'avoir les 3 points parce que surtout quand tu ne sais pas que tu es chez toi. Donc, ça fait en fait, et ne joue pas à l'équipe adverse voulait vraiment gagner le match à domicile. Nous, on ne voulait pas aussi aller perdre et ou bien. Tout ce qu'on peut faire de gagner et de prendre un match nul. Donc, on a eu à avoir un match nul. On peut dire merci à Dieu pour ça. Et puis, merci à tous ceux qui ont eu à prier pour nous. Merci à ceux qui nous ont soutenus. Vraiment. Donc, c'était pas du tout facile, mais on a quand même pu avoir un point à l'espace et revenir jouer match à domicile. Surtout que vous êtes actuellement troisième de cette poule-là, même s'il va falloir rencontrer les champions ivoiriens demain du côté du stade de Fandena quand il sera 20h heure du Cameroun. Dans quel esprit actuellement se trouvent les Sao pour cette rencontre de demain? On le sait, il y a certainement une grande pression qui doit vous animer. Parce qu'en face, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les champions en titre. On a des joueurs dans cette équipe ivoirienne qui sont un peu plus capés que vous. Dans quel esprit vous comptez aborder cette rencontre? Bon, nous l'esprit qu'on a ici est que on veut vraiment mettre de la joie dans le cœur de tous ces Tchadiens, vraiment qui ont eu à pleurer pendant beaucoup d'années. On veut juste mettre dans leur cœur et en mettant la joie dans leur cœur, c'est de gagner nos matchs. On sait que le match ne serait pas facile. Mais l'enjeu, c'est quand on sera au terrain, c'est là où on va découvrir vraiment ce qu'il y a à faire et on ne peut pas aussi
dire qu'on va jouer, on va faire ça, on va faire ça, mais l'enjeu se trouve au terrain, ça c'est un match de football, et c'est le match, seul c'est ce qui peut arriver demain, donc on espère que la chance soit de notre côté, vraiment pour sortir de là-bas, souriant et donc cette joie de vivre, et cette joie que le peuple tchadien a, cet amour, l'amour que le peuple tchadien a pour le football, c'est juste ça. Et justement, c'est juste ça. Et on a eu une très grande information, d'ailleurs, pour vous, en milieu de la nuit. Vous êtes le gardien des 11 types de la CAF pour ces premières journées d'éliminatoire. D'ailleurs, vous êtes le premier Tchadien à être ici dans ce classement-là. Est-ce que ça ne sera pas un enthousiasme supplémentaire pour que vous allez titiller cette équipe ivoirienne demain du côté du stade de Fandena? Bon, pour moi, je ne pourrais pas dire que c'est seulement mon travail à moi seul, mais c'est le travail d'une équipe, de toute une équipe. Donc, ceux qui sont au banc, ceux qui sont à l'extérieur, partout, les gens qui sont avec nous, ça fait en fait qu'ils nous transmettent ce qui est et ils dégagent. Ça fait en fait que nous, on fait d'avoir nos matchs. C'est pas que c'est seulement nous. Donc, tout ce qu'on peut dire, on est 11, on est 23, et c'est tous les 23 qu'on va donner le meilleur de nous pour que demain, vraiment, on puisse. Et par rapport aux 11, moi-même, je n'avais pas regardé, c'était après que les gens m'ont envoyé le message pour dire que j'étais donc. Je disais merci, merci, merci beaucoup. Et vraiment, le travail continue. On va continuer pour aller vers l'avant, peu importe là où on peut être, peu importe là où on peut partir. Mais c'est d'avoir toujours la tête de pour les travailler. Et chaque match est capital vraiment pour nous. Vivement, vivement que cette rencontre de demain vous porte des fruits. D'ailleurs, tout le peuple camerounais également sera derrière vous, sans oublier le peuple tchadien qui est très nombreux ici au Cameroun, notamment dans la cité capitale politique du Cameroun à Yaoundé. Vivement que cette rencontre soit à votre faveur. Bon, on joue à domicile. On joue au Cameroun, mais c'est comme si on joue en Djamena. Bien sûr. Il y a plein de Tchadiens. Ils vont sortir vraiment, qu'ils sortent vraiment massivement, afin que nous puissions ensemble joindre vraiment notre main dans la main pour travailler ensemble. Parce que sans eux, avec eux, ils peuvent nous pousser à aller plus loin encore, vraiment. C'est vrai qu'on joue contre les champions d'Afrique, on les respecte, parce que ce sont des champions d'Afrique trois fois. Ouais. En étant, c'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui, vraiment. Mais on a besoin de nos supporters pour qu'ils nous poussent, pour moi, c'est à aller jouer contre cette équipe de Côte d'Ivoire. Merci Gardin de nous avoir accordé un peu de votre temps. On le sait d'ailleurs, le programme des SAO est très chargé tout au long de cette journée. À 19h, vous deviez vous retrouver du côté du stade de Fandena pour une séance d'entraînement et une conférence d'après-match. Et ensuite, ça sera le tour de la Côte d'Ivoire qui prendra le relais à 19h30 pour la conférence d'après-match autour de 20h. Merci de nous avoir accordé votre temps, Gardin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Nous sommes arrivés au terme de cette émission de sport et l'envers du décor sur Panafrican Media. Vous pouvez revoir cette retransmission sur les différents canaux et supports sociaux, Digisat, Creolink et sur Skype, YouTube et Facebook. Retrouvons-nous pour un prochain numéro de sport et l'envers du décor sur la meilleure des télévisions panafricaines.